والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. نتكلم بإذن الله تعالى وعونه عن نبي الله شيث عليه الصلاة والسلام. هو نبي الله شيث ابن سيدنا آدم عليهما الصلاة والسلام من صلبه أي من ولد آدم. Alors Shith, on va parler d'un prophète qui s'appelait Shith. C'est le fils de Adam alayhi salam de lui-même, c'est-à-dire c'est pas le petit-fils de Adam, c'est le fils de Adam et c'est le dernier fils et c'était un fils unique. لأنه يقال إنه آدم جاءه 40 يعني مع زوجته حواء 40 بطن فكان آخرهم Shith, ولد واحد. Alors on dit que Ève a eu 40 fois faux jumeaux, garçon-fille, et le dernier c'était Shith tout seul, il n'y avait pas une fille avec lui. وقد ولدت حواء بعد أن قتل قابيل أخاه هابيل. Ça il a eu sa naissance après que le fils de Adam qui s'appelait Qabil a tué son frère Habil. وجعل الله تعالى شيثا نبيا بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام. شيث الله تعالى lui a donné la prophétie après la mort de Adam عليه السلام وأنزل عليه 50 صحيفة. Il a eu la révélation de 50 feuilles. روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل على شيث 50 صحيفة رواه ابن حبان. ابن حبان a rapporté de أبو ذر الغفاري رضي الله عنه que le prophète a dit a eu que شيث a eu 50 feuilletés. قام سيدنا شيث بالأمر بعد سيدنا آدم عليه السلام وصار يدعو إلى طاعة الله وتطبيق شريعة الله. الناس كانوا في زمانه على الإسلام لكن كان يأمر هؤلاء بعض الناس الذين حصل منهم من معاص أن يطيعوا الله تبارك وتعالى. شيث a fait le travail d'appeler les gens à pratiquer l'islam, à mettre en pratique les lois de Dieu après Adam. Mais les gens à son époque étaient des musulmans, étaient des croyants, il n'y avait pas des mécréants. Mais il y en a parmi eux ceux qui ont désobéi à l'exemple de Qabil qui a tué son frère. Il n'y avait pas des gens qui sont dans la mécréance ou dans le shirk. La mécréance a eu lieu après la mort du prophète Enoch ou Achanoch. وأنزل الله عليه شرعا جديدا وهو تحريم زواج الأخ من أخته غير التوأم لأن كان في شريعة آدم الأخ يتزوج أخته من البطن الثاني. Dans les lois révélées à Adam, le frère il se marie avec la sœur mais pas la jumelle d'une autre ventre par croisement parce qu'il n'y avait pas des cousins ou des cousines, il n'y avait que le fils de Adam. Et dans شريعة آدم le frère il se marie avec la sœur mais pas la jumelle. Et Shith, lorsqu'il a été envoyé comme prophète messager, cette loi a été abrogée. Il n'y avait plus cette permission de se marier avec la sœur, même si c'est d'une autre ventre, parce qu'il n'y a plus de besoin. Maintenant, il y avait, l'humanité s'est très propagée. Il y a des gens qui sont beaucoup loin, des cousins, des cousines, et même plus loin. Alors, l'autre loi a été abrogée. Ils ont dit, من أخته من البطن الثاني نسخ مع نبي الله شيث. ولقد ذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته 11 يوما وكتب وصيته ثم دفع كتاب وصيته إلى شيث وأمره أن يخفيه عن ولده قابيل لأن قابيل كان حسودا. Alors ça a été rapporté que Adam est tombé malade pendant 11 jours avant sa mort et qu'il a écrit un testament, il a fait ça
dans un livre et il a dit à Chif, tu le caches de ton frère Kabil, parce que c'était un homme envieux, un homme jaloux, un homme qui peut lui faire du mal à Chif. ولذلك قيل ان شيثا كان وصي ابيه ادم في مخلفه, c'est-à-dire ça a été dit que Adam a dit des choses à Chif, comment agir, comment faire avec le reste des êtres humains après Adam. فقيل ان شيث اقام في مكه يحج ويعتمر الى ان مات عن عمر 912 سنه. ما هو ادم بنى الكعبه, Adam ben al-Ka'ba, وكان Adam يعني يطوف حول الكعبه. Alors on rapporte que Chif a habité à la Mecque et il faisait le Hajj, il faisait l'Umra et on a dit qu'il a fait 912 ans, 912 ans la vie de Sayyidina Chif. وقيل ان شيف لما مرض اوصى الى ابنه انوش وقيل دفن مع أبويه آدم وحواء عليهما السلام في غار بأبي قبيس في مكة. Alors, Chif عليه السلام a laissé son testament à un de ses fils qui s'appelait Anosh, et ça a été dit qu'il a été enterré dans une grotte qui se trouve dans la montagne qui à la Mecque qui s'appelait Abu Qubays, à côté de son père et sa mère Eve. ويقال إنه دفن قرب مسجد الخيف. مسجد الخيف منه بعيد عن مكة. يقال هناك نحو 70 نبي دفن. Et ça a été dit que Chif a été enterré à côté de la mosquée du Khayf. Et la mosquée du Khayf, on dit qu'il y a la tombe de 70 prophètes proches de là-bas. قال المؤرخون قام أنوش بعد وفاة أبيه شيث على منهجه من غير تبديل ولا تغيير. Les historiens ont dit que Anosh a suivi son père Chif. Il appelait les gens à l'obéissance, aux bons actes, à pratiquer la charia de son père, sans changer, sans falsifier. Il était vraiment un homme de bien. ثم بعده ولده قينان ثم بعده ابنه مهلايل. Après Anosh, c'était le fils Qainan. Après le fils مهلايل وهو الذي يزعم الأعاجم من الفرس أنه ملك الأقاليم السبعة. Les Perses, ils disent que Mahlayil a dominé les sept continents pour dire que c'était un grand homme qui a dominé la terre. ثم بعده ابنه يرد فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده أخنوخ. Après Mahlayil, il y avait son fils Yard qui a gouverné, qui était un grand homme qui toujours y suivait les bonnes choses de Adam et de Chif alayhim salam. Et par la suite, Yard, avant de mourir, il a laissé le testament pour Akhanokh qui est Idris. Idris, il s'appelle Akhanokh. ويقال إن اسمه إدريس لكثرة دراسته. On dit que ça a été nommé Idris parce qu'il a beaucoup lu les livres révélés avant, les feuillets de Chif, صحف التي أنزلها الله على شيف, فكان كثير الدراسة لها, فسمي إدريس واسمه أخنوخ. ويروى أنه إلى شيف يرجع أنساب بني آدم كلهم اليوم. Certains ont dit que les descendants de fils de Adam tous, ils reviennent à Chif. C'est comme ils disent que peut-être les autres, ils sont morts et par la suite, ils ont eu des enfants, puis après, il n'y a plus, mais que, comme on dit, Chif est le père de l'humanité après Adam. Yurwa, ça a été dit. وذلك أن نسل سائر ولد آدم غير نسل شيف انقرضوا وبادوا لم يبقى منهم أحد. Ça a été dit que les autres descendants de Adam, leurs descendants sont morts, il n'y a plus reste qui reste. Sauf les descendants de Chif. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala sait mieux que nous. Nabiullah Idris alayhi salam. Voilà, par ça on a terminé de parler de Chif qui a vécu 912 et on a dit les gens étaient sur l'islam à son époque et qu'il a
abrogé une loi parmi les lois qui a été révélée à Adam, le fait que le frère se marie avec sa sœur d'un autre ventre. Cette loi a été abrogée. Et voilà, après on a parlé de certains fils de Schiste qui ont gouverné, qui sont avec après lui, qui dirigeaient l'humanité ou les gens de leur époque. أما إدريس فالله تعالى يقول فيه واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Alors Akhanoch ou Idris était un grand prophète, un grand messager parmi les plus gradés parmi les messagers من الأنبياء والرسل الذين لهم شأن عظيم. فالله سبحانه وتعالى سماه صديقا نبيا وكذلك سمى إبراهيم كان صديقا نبيا. هلا إبراهيم أفضل بس عم نعطي يعني on dit إبراهيم a plus de mérite, mais ce qu'il a dit Allah pour Ibrahim il a dit pour Idris. Il a dit pour Ibrahim كان صديقا نبيا, et il a dit pour Idris كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا, المكان يطلق أنه على الرفعة وعلو القدر, ويطلق على المكان اللي هو أنه رفع إلى السماء ثم بعد ذلك نزل. Alors on dit رفعناه مكان عليا, qu'il l'a élevé au ciel et par la suite il l'a fait descendre, et يطلق المكان dans le sens degré et mérite. فسيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء والرسل الكرام الذين أخبر الله عنهم في القرآن. C'est parmi les messagers, les prophètes que leur nom a été mentionné dans le Coran. Al-Anbiya Kuthur, c'est des milliers. Al-Ladhina Dhukiru fil Coran nahu 25. Alors, ceux qui ont eu, leur nom a été cité dans le Coran, c'est 25, mais sinon les prophètes et les messagers, c'est des milliers. Wa qad dhakara Allah ta'ala Idris fi bid'ati mawatin min suwar al-Quran. Il a été cité le nom d'Idris à plusieurs place dans le Coran, dans plusieurs sourates. فيجب الإيمان بنبوته وبرسالته قطعا وجزما. Il faut croire qu'il est un prophète, qu'il est un messager, sans aucun doute. وقد وصفه الله تعالى بالنبوة والصديقية دليل على علو قدره. Allah تعالى lui a attribué la prophétie et la صديقية, c'est un degré qui est très élevé. Il l'a attribué à أخنوخ. نسبه وما جاء في وصفه اختلف في نسبه, وأشهر ما قيل هو إدريس بن يرد بن يرد بن مهلايل. Alors on a dit c'est quoi la lignée de Idris, on a dit le plus célèbre. Alors Idris fils de Yard fils de Mehlayil, on vient de citer. وينتهي نسبه إلى نبي الله شيث. Après il revient au prophète Schiith. Et Schiith est le fils de Adam عليه السلام. لقيل إن إدريس اشتق من الدراسة وذلك لكثرة درسه صحف Schiith التي أنزلت على آدم, الصحف التي نزلت على آدم وعلى Schiith. Ça a été dit qu'on l'a nommé Idris parce qu'il a beaucoup lu, l'a beaucoup appris dans le feuillet de Adam et dans le feuillet de Schiith, et on a dit le mot Idris, ça vient du mot dirasa. Certains ont dit. وقيل إن إدريس أول من خط بعد آدم عليه السلام. Alors Adam هو إيش تعلم الكتابة. Adam علم الكتابة. Adam علم أولاده اللغات. Adam, il n'était pas comme un singe, il n'était pas quelqu'un comme un bête féroce, il était beau, grand de taille. Allah Ta'ala lui a donné le nom des choses par plusieurs langues, et il a parlé à ses enfants par ces langues, et eux ils ont parlé à leurs descendants. De là viennent les origines des langues. أمهات اللغات. Alors طبعا في لغات بتتفرع عنها أشياء, لكن أمهات اللغات من آدم عليه السلام. Alors, أول من خط بعد آدم, c'est-à-dire Adam, il avait l'écriture كذا, et Schiith عليه السلام encore parmi ceux qui ont écrit après Adam عليه السلام. وكان يعمل بالخياطة, il coupait les tissus et il faisait les habits, يعني il savait la couture, il faisait la couture. لأن آدم علم أولاده أيضا كيف يحرث الأرض, كيف يزرع.
وكيف يعملوا دراهم ودنانير. آدم a enseigné à ses enfants comment labourer la terre, comment mettre la semence. Et Ève, elle tissait la laine, كانت تغزل الصوف. وآدم encore, il a enseigné à ses enfants comment, à ses fils comment prendre de l'or et de l'argent de la terre et faire de la monnaie. وينسب إلى هذا النبي الكريم أشياء كثيرة مما هي كذب وافتراء. وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أربعة سريانيون، آدم وشيث وأخا نوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم ونوح. Maintenant, peut-être chez les historiens ou dans les livres d'histoire, ils rapportent des choses qui ne sont pas justes. Nous, on doit faire attention. La science, on l'apprend de la bouche des savants. Dans les livres d'histoire, il y a ce qui est juste, il y a ce qui n'est pas juste. Surtout lorsqu'on parle des prophètes, surtout dans les livres d'histoire, lorsqu'ils parlent des prophètes, beaucoup des fois des choses... On rapporte qu'est-ce qu'ils ont dit les Israélites, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens de livre, qu'est-ce qu'ils ont dit telle communauté, et des fois, c'est des choses qui ne sont pas fondées. بعض الأحيان بيكون كلام ما إله أصل، ما إله سند، ما ليس صحيح. لكن أهل التاريخ يقولون، يذكرون، يقولون، يروى، فيضعون كل هذا في كتبهم. ليس كل ما ذكر في كتب السيرة أو كتب التاريخ صحيح. Ce n'est pas tout ce qui a été dit dans les livres d'histoire, dans les livres des vies des prophètes est juste. Et dans le hadith de rapporté par Ibn Hibban, qu'il y avait quatre prophètes qui parlaient la langue syriaque, Adam qui parlait syriaque, même s'il a enseigné d'autres langues, mais il parlait souvent la langue syriaque, et encore Shith, il parlait la langue syriaque, et Achanoch, Idris, alayhi salam, et Nuh. أين نشأ وأين ولد سيدنا إدريس عليه السلام؟ Où est né ou a grandi? Où est sa ville natale? Dans quel pays a grandi سيدنا إدريس؟ أولا هو ثالث الأنبياء. Pour parler, c'est le troisième prophète après Adam, Shith, il y a Idris. Après Adam et Shith, il vient Idris. إذن الحديث الذي فيه حديث الشفاعة اذهبوا إلى نوح إلى إنه أول الرسل إلى أهل الأرض ما معناه؟ Si on a dit le troisième prophète messager c'est Idris. Alors que ça veut dire le hadith qui est juste que les jours du jugement les musulmans désobéissants ils vont vers Adam ils disent tu es notre père voilà intercède pour nous ils leur disent allez vers Nuh il est le premier prophète pour les gens de la terre. Il y a dans un hadith, allez-y vers Nuh, le premier messager pour les gens de la terre. C'est-à-dire le premier qui est envoyé pour plusieurs tribus et qui était dans le shirk. Yani, c'est lui qui est le premier messager envoyé pour les non-croyants. Mais sinon, Adam était prophète messager, Shith était prophète messager, Idris était prophète messager. Et par l'unanimité des savants de l'islam et des historiens, les trois étaient avant Noé, avant Noé. Et then, أول الرسل نوح أول الرسل إلى أهل الأرض أي أول من أرسل إلى قبائل متعددة إلى أهل الأرض وكان قومه متفرقون في الأرض وقيل أول من أرسل إلى الكفار إذن لأنه بإجماع أهل العلم أن آدم وشيث وإدريس كانوا قبل نوح وهؤلاء أنبياء رسل إذن العثيمين البليد 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 قليل الفهم العثيمين هذا عند الوهابية مرجع كبير وهو في الحق بليد يقول يجب الإيمان بالرسل أولهم نوح آخرهم محمد إذا قال أولهم نوح وإدريس أين ذهب الله تعالى يقول إنه كان صديقا نبيا وشيث وآدم بس حتى تعرف أن هؤلاء لا يحسنون التفكير c'est des gens qui n'ont pas un niveau de science et ils n'arrivent pas à bien raisonner
إذن اختلف العلماء في مولد إدريس ونشأته. قال بعضهم إن إدريس ولد ببابل مدينة في العراق. Certains savants ont dit que Idris est né dans la ville qui s'appelle Babel en Irak. وقال آخرون إنه ولد بمصر. لكن الصحيح أنه ولد بالعراق في مدينة بابل. Alors certains ont dit qu'il est né en Égypte et d'autres ont dit en Irak. La vie le plus favorée, le plus juste, qu'il est né en Irak dans la ville qui s'appelle Babel. والعراق بالزمان مع هذين النهرين العظيمين دجلة والفرات كانت بلاد عريقة جدا. العراق c'est parmi les plus anciens pays, là où il y avait beaucoup de monde. Et comme je parlais que autrefois Al-Numrud, au temps d'Ibrahim, était en Irak, était un grand roi qui a gouverné la terre. Alors l'Irak, à l'époque, avec ses deux grands fleuves, le Furat et le Tigre, et ce n'est pas comme aujourd'hui. La Turquie, elle a réduit beaucoup de l'eau de ces deux fleuves, et par la suite, la Syrie. Alors ce qu'il arrive en Irak maintenant, c'est très peu. Et l'effet de l'eau, s'il a diminué, il a un effet pour tous les pays par la suite. وقد أخذ إدريس عليه السلام في أول عمره بعلم شيث بن آدم عليه السلام ولما كبر آتاه الله النبوة والرسالة. Au début, Idris a pris en considération la science et les lois et la charia de Shith. درسها وعمل بها وعلمها. Il a appris ça, il a enseigné ça, il a mis en pratique ce que Allah a révélé à Shith. Alors il pratiquait tout cela, Idris. Lorsqu'il a grandi, Allah Ta'ala lui a donné la prophétie et le message. وأنزل عليه 30 صحيفة. Et il a eu 30 feuillets sur Idris. Alors 50 feuillets pour Shith et 30 feuillets pour Idris. كما جاء في الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه ابن حبان فصار عليه السلام يدعو إلى تطبيق شريعة الله المبنية على دين الإسلام لأن دين آدم الإسلام دين شيث الإسلام دين إدريس الإسلام ما هو الإسلام؟ أن تخضع لله سبحانه وتعالى فتؤمن به وتتبع نبي ذلك الوقت. C'est quoi l'islam? Être soumis à Dieu par le fait de croire en Dieu et suivre le prophète du temps. إذن إن الدين عند الله الإسلام. La religion agréée par Allah c'est l'islam. دين عيسى الإسلام. دين موسى الإسلام. La religion de Jésus c'est l'islam. مش ما في. Il n'y a pas une religion qui s'appelle le christianisme qui est la religion de Jésus, ou une religion qui s'appelle le judaïsme c'est la religion de Moïse. Moïse il est de Bani Israël, parmi les peuples d'Israël. Et Jésus, il est parmi les descendants encore de ce peuple-là d'Israël, parmi les descendants de Jacob. Jacob, il s'appelle Israël, Abdullah. Jacob, le père de Youssef, il s'appelle Israël. Et que ça veut dire Israël? Abdullah. Tu vois? Mais Jésus, alayhi salam, il a toujours dit aux gens, adorez Allah, mon créateur est le vôtre. Et Moïse, il a dit aux gens, adorez Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a pas d'associé. Et then, موسى دعا إلى عبادة الله وعيسى دعا إلى عبادة الله. فالإسلام هو إيش؟ أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا وتؤمن بنبي ذلك الزمان. Et tu crois au prophète du temps. Si nous étions nous au temps d'Idris, on doit croire en Dieu, adorer Dieu et suivre Idris. Si nous étions au temps d'Abraham, on devrait croire en Dieu, suivre Abraham. Si nous étions au temps de Jésus, on doit croire en Dieu, adorer Dieu, suivre Jésus, pratiquer l'évangile. Mais nous sommes au temps du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Alors, on doit croire en Dieu, on doit adorer Dieu, et on doit suivre le prophète Mohammed tout en croyant à tous les prophètes avant, antécédents, c'est-à-dire qui ont été avant Sayyidina Mohammed. Al-yom, al-musliman huwa, huwa alladhi yu'minu billahi azza wa jal. ويفرده بالعبادة يفرده بالألوهية ولا يشرك به شيئا ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بشر يعني يؤمن بشريعته أنه هي التي يجب العمل بها الآن ويؤمن بالأنبياء الذين سبقوا. قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله
لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نفرق بوجوب الإيمان بين جميعهم. C'est-à-dire il n'y a pas de différence dans l'obligation de croire à tous les prophètes, tous les messagers. أما أن بعضهم أفضل من بعض، نعم. الله تعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Il y a certains messagers plus gradés que d'autres, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran. Ces messagers-là, on leur a donné plus de mérite que d'autres. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمَّا الْإِيمَانِ بِهِمْ يَجِبُ الْإِيمَانِ بِهِمْ كُلِّهِمْ يَجِبُ الْإِيمَانِ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَتَعْمَلْ بِشَرِيعَةِ النَّبِيِّ الَّذِي يَكُونُ هُوَ الْآنِ فِي زَمَنِكَ هُوَ شَرِيعَةُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ إيه سيدنا محمد هو الدِّغْنِيَ مِسَّجِ كل واحد اليوم يدعي النبوة بعد سيدنا محمد فهو كذاب أفاك. Toute personne qui prétend être prophète après Sayyidina Muhammad, ce n'est qu'un menteur, un grand menteur. À la misal, Ghulam Ahmad al-Qadiani, il y a le groupe qui s'appelait Ahmadiyya Qadianiyya, et ils suivent un homme qui s'appelle Ada Kazabun, c'est un grand menteur. Atba'uhum, indahum telfizyon, l'Ahmadiyya, laïsoubi muslimin, c'est pas des musulmans. C'est pas des musulmans. Alladhi yaqul an nafsihi, بعد سيدنا محمد نبي بيكون كاذب وكافر. C'est lui qui dit qu'il est un prophète après سيدنا محمد. C'est un menteur et mécréant. لأن الله قال وخاتم النبيين. والله تعالى قال وخاتم النبيين آخرهم. هذه مسألة ما فيها لعب. On joue pas ici. اللي بيكذب القرآن ما بيكون مسلم. C'est lui qui renie une آية dans le Coran n'est pas musulman. فإذا كان يعلم الناس أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة وأن الله خالق كل شيء ومالك كل شيء وقادر على كل شيء وأن كل شيء في هذا العالم يحصل بمشيئته تعالى وأن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه شيء من خلقه. يعني dans les enseignements de Idris عليه السلام c'est العقيدة que les gens avaient cette croyance avant et lui il l'a enseigné que Allah est l'unique créateur, que Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout, que Allah ta'ala est le tout puissant, que c'est Allah qui prédestine pour toutes les créatures, que Allah ne ressemble pas à ses créatures. فعاش سيدنا إدريس عليه السلام يعلم الناس شريعة الإسلام وأحكام دين الله مع أن الناس الذين كانوا في زمانه كانوا مسلمين مؤمنين يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا واستمر الأمر على هذا الحال إلى أن ظهر إبليس اللعين للناس في صورة إنسان ليفتنهم عن الإسلام وأمرهم أن يعملوا صورا وتماثيل لخمسة من الصالحين كانوا معروفين بين قومهم بالمنزلة والقدر والصلاة. Alors les gens étaient sur l'islam au temps de Idris. Les gens étaient sur l'islam. Après la mort de Idris, encore, ils étaient encore sur l'islam. Et Satan est apparu pour certains sous l'aspect d'un être humain. Il a dit, il y avait des pieux parmi vous, il y a des saints parmi vous. Si vous faites pour eux des statues pour que lorsque vous les voyez, ça vous motive à travailler pour faire comme eux, pour les imiter. أنه لو عملتم هذه التماثيل لهم هكذا تقتدون بهم تفعلون مثلهم يذكرونكم. فعملوا. Alors ils ont fait des statues pour les cinq saints. ثم لما طالت الأيام ظهر لهم مرة أخرى في وقت كان قد كثر فيه الجهل والفساد في الأرض وأمرهم أن يعبدوا هذه الأصنام الخمسة فأطاعوه. من الأشياء التي قال أنتم متلوثون بالذنوب والخطايا كيف تريدون أن تعبدوا الله مع هذه الحالة مع الذنوب والخطايا. من يعبد الله بده يكون مثل هؤلاء صافي وأنه على درجة عالية من البر والتقوى والصلاح. أما أنتم لا يصلح لكم أنتم تعبدونهم وهم يشفعون لكم أنتم تعبدونهم وهم يشفعون لكم فصاروا يعبدون الأصنام. Alors il a dit Satan que vous n'êtes pas à la hauteur d'adorer Dieu sans intermédiaire parce que vous faites des péchés, vous êtes mauvais, vous êtes sale,
Vous n'êtes pas à ce niveau. Vous, vous passez par ces saints, vous les adorez et eux, ils vont intercéder. وَهُوَ مَحَكَهُ اللَّهُ لَنَا قَالُوا وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. يعني أنه نحن نعبدهم ليشفعون لنا، ولكن قالوا نعبدهم، يعبدونهم كانوا، ليس أنهم كانوا يقولون اللهم بجاه هؤلاء اغفر لنا، هذا ليس عبادة، هذا اسمه توسل واستشفاع أو استغاثة، هذا ليس شركا. الوهابية يموهون على الناس ويزعمون أن قوم نوح كفروا بالتوسل والاستغاثة وأنهم كانوا يتوسلون بهؤلاء. قوم نوح كفروا بعبادتهم لغير الله. الله أخبر أنهم قالوا وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أما التوسل والتبرك شيء آخر، ليس عبادة. أنت تسأل الله سبحانه وتعالى بجاه هذا النبي أو بجاه هذا الرجل الصالح، هذا لا يسمى عبادة لهذا النبي ولهذا الرجل الصالح. فإذا كفروا. alors après un certain moment, après quelques générations, l'ignorance était très répandue et que les gens ont obéi à Satan et ils ont adoré ces cinq idoles, ces cinq. À la base, c'était des pieux et des saints. Eux-mêmes n'acceptent pas ça, mais ils ont adoré leur idole. وكان ذلك بعد وفاة نبي الله إدريس عليه السلام بمدة ولم يكن في ذلك الوقت نبي. هذه المدة اللي بسموها الجاهلية الأولى. alors c'était après la mort du prophète Enoch à un certain moment et c'est ce qu'on dit la période de la première temps d'obscurantisme. il n'y avait pas un prophète entre ce temps. هذه الجاهلية الأولى. قال الله تعالى حكاية عن هؤلاء الذين عبدوا هذه التماثيل التي كانت لخمسة رجال من الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إذن نحن قلنا هؤلاء عبدوهم واتخذوهم آلهة من دون الله وقالوا لا تذرن آلهتكم. إذن الوهابية كاذبون، الوهابية محرفون دجالون، يقولون إن قوم نوح كفروا بالتوسل والاستغاثة. كيف؟ والله تعالى أخبرنا أن هؤلاء قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقالوا ولا تذرن آلهتكم. سموهم آلهة، إيش يعني؟ إذن هم عبدوا غير الله. أما المسلم هل يسمي الأنبياء والصالحين آلهة؟ Nous, les musulmans, on fait tabarruk par les prophètes et les saints. Est-ce qu'on dit c'est des dieux? Ma'azallah. Ma'azallah. Izan, intabihu ila tahrif wa tamwih al-wahhabiyya. Wa la yajouz an yuqal anhum salafiyya. In shi'ta qulta talafiyya kama qala ba'du ulama al-hind. Talafiyyoun. Man dakhala fi dinihim talaf. Lianna aqidatahum al-tashbih wa al-tarsim. فهم وثنيون عباد وثن. الفرق بينهم وبين قوم نوح الذين أخذوا التماثيل وعبدوها أن هؤلاء كفرهم بأنهم جعلوا لله إيش جسم وصورة وهيئة نحتوها بالمخيلة. أولئك عملوا التماثيل وعبدوها، هؤلاء نحتوها بمخيلتهم. alors j'ai dit méfiez-vous de l'wahhabiyin, ne les suivez pas. On n'a pas le droit de dire c'est des salafiyoun, c'est halayajouz, c'est haram de dire. On peut dire talafiyoun, c'est-à-dire ceux qui rentrent avec eux, il va au péril parce qu'ils vont détruire sa religion. Et j'ai dit que ces gens-là, ils prétendent que la communauté de Nuh, leur mécréance était par tawassul et tabarruk. Ce n'est pas juste. Allah nous a dit dans le Coran que la communauté de Nuh, il disait, ne délaissez pas vos divinités, vos dieux. Il disait, ne délaissez pas vos divinités, vos dieux. Et il cite leurs noms. Wad, wa Suwa', wa Yaghouth, wa Ya'ouq, wa Nasra. Ils les ont nommés dieux, ils les ont adorés comme Allah Ta'ala a dit. Mais nous, les musulmans, on n'a pas nommé le prophète Mohammed et les prophètes dieux. On n'a pas nommé les saints et les pieux. On n'a pas dit, c'est des dieux.
on dit c'est des esclaves à Dieu. Les prophètes, c'est des esclaves, les esclaves de Dieu, et les saints, c'est les esclaves de Dieu. Maintenant, je demande à Allah Ta'ala, par le mérite du prophète Mohammed ou par le mérite d'un saint, il n'y a pas de contradiction avec Tawhid. Si j'ai le droit, comme ça a été rapporté dans le hadith, de demander à Allah Ta'ala le pardon suite à un acte de bien que j'ai fait. لِيَدْعُوَ كُلُّمْ مِنْكُمْ بِصَالِ عَمَلِهِ تَلَتَ الَّذِينَ أَوَوْا إِلَى الْغَارِ. Les trois personnes qui ont rentré dans la grotte. Et chacun, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par un acte de bien qu'il a fait. Alors si tu demandes à Dieu par un acte de bien, en disant, oh Dieu, si tu acceptes tel acte que j'ai fait pour ton agrément, alors pardonne-moi par le mérite de tel acte. Alors si je demande à Allah Ta'ala par un acte de bien, je peux demander à Allah Ta'ala par le mérite d'un prophète ou d'un saint, parce que les prophètes sont mieux que les actes. Al-anbiya afdal min al-a'mal as-saliha. Ma ilu ala abishirk. Ça n'a rien à voir avec le shirk. Hadha shay'un ahdathahu Ibn Abd al-Wahhab al-mujrim. C'est une chose innovée par Ibn Abd al-Wahhab al-Mujrim. Daesh l'émise Ibn Abd al-Wahhab. Daesh, c'est les élèves d'Ibn Abd al-Wahhab. Ibn Abd al-Wahhab, jama'atuhu lamma dakhalu al-Ta'if, qara'u al-Tarikh. Lisez dans l'histoire. Le groupe d'Ibn Abd al-Wahhab, lorsqu'ils ont rentré dans la ville de Ta'if, ils ont tué les gens qui prient dans la mosquée, dans le recours, dans le sujoud. Ils ont tué même les enfants, ils ont égorgé. بس حتى الواحد يعرف التاريخ ابن عبد الله جماعته مجرمين سفاكين دماء كفروا أهل مكة كفروا أهل المدينة الحجاج بيجوا من طاجكستان وأوزبكستان وداغستان وأفغانستان والهند كانوا يكفرون يقتلوهم يقتلوهم خلص انت منك مسلم ils tuaient les pèlerins qui venaient du loin ils les tuent et ils prennent leur كيف عرفتوا كيف تقولوا كفار. Comment vous avez dû ces découffards? فسيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام عاش تتمة الألف سنة بعد سيدنا آدم عليه السلام وهو ومن اتبعه ومن كان معه. يعني on dit Adam il a vécu à peu près avec ceux qui étaient dans le paradis 1000 ans. Et on dit que إدريس عليه السلام a complété les 1000 ans qui sont venus après Adam alayhi salam. يدعو المسلمين الذين كانوا في زمانه الى تطبيق شريعه الله واداء الواجبات واجتناب المحرمات. Idris, il n'a pas appelé les gens à l'islam, les gens étaient musulmans, mais il les appelle à pratiquer, parce qu'il y avait certains qui faisaient des péchés ou des désobéissants ou qui cherche un petit, le travail de ce bas monde, alors il était là pour les conseiller, les ordonner à bien pratiquer les obligations, à délaisser le haram et les péchés. Il y a certains qui ont obéi à Idris, il y a des gens qui n'ont pas obéi, ils ont désobéi, mais ils étaient musulmans. Fanawa an yarhala. Lorsqu'il y avait des gens qui n'ont pas pratiqué, il a dit on va quitter l'Irak. Il a dit à ceux qui obéissent, les muti'in, les mu'minin, les salihin, قال نخرج نترك هؤلاء, on délaisse ces gens-là et on va quitter l'Irak. On ne veut pas habiter avec des gens qui désobéissent. فسقوا على هؤلاء الرحيل عن وطنهم. Alors ces gens-là, ils ont dit mais on va où? Où on peut trouver une ville comme Babel? Comme je vous ai dit à l'époque, Babel, c'était une grande ville, l'eau de l'Irak ou kaza, c'était vrai. Ils ont dit où on va trouver comme cette ville? فقال لهم قالوا له أين نجد مثل بابل إذا رحلنا؟ وبابل معناه بالسريانية النهر. Où on va trouver comme cette eau là, ce fleuve là? C'est comme ils disent, on peut trouver une terre entourée par ces deux grands fleuves. C'est
تعمل سدود وآبار وكذا، فضعف المياه الآن في العراق صارت ضعيفة، تغير الحال كثير، وبالأخير سيجف الفرات ويظهر جبل من ذهب. Après, فرات va sécher, il y aura un grand trésor d'or qui va apparaître et c'est parmi les signes de l'heure. فقال لهم إذا هاجرنا الله رزقنا غيره. Il a dit Idriss, si on quitte, Allah nous donne autre que celui-là. فلما خرج سيدنا إدريس عليه السلام ومن معه من العراق ساروا إلى أن وافوا إلى هذا الإقليم الذي يسمى بابليون، اللي هو عند النيل. رأوا النيل ورأوا واديا خاليا. Ils ont vu le fleuve de Nil et ils ont vu une place vraiment en abondance vide. فوقف سيدنا إدريس على النيل وأخذ يتفكر في عظيم قدرة الله سبحانه. Est arrivé là-bas, il a regardé comme c'est un grand fleuve, c'est beaucoup plus grand que celui de Tigre ou de Al-Furat. فأقاموا في مصر. Alors Sayyidina Idriss, avec ceux qui étaient avec lui, ils ont habité en Égypte. ويدعو الناس إلى عبادة الله، إلى الالتزام بشريعة الإسلام. Il a appelé les gens à obéir à Dieu, à pratiquer ce que Allah Ta'ala lui a révélé comme loi. وقيل إن مدة إقامته في الأرض كانت 82 سنة. يعني il a habité sur terre il a vécu 82 ans. ثم رفعه الله إلى السماء. الله تعالى a élevé أخنوخ إدريس إلى السماء. ثم توفاه على هذا الأرض. après il est descendu et il est mort, il est enterré sur cette terre. وهذا هو الصحيح. يعني أنه نزل إلى الأرض ومات فيها. La vie qui est plus juste que Idriss est descendu sur terre et il est mort et enterré sur cette terre. لسيدنا إدريس عليه السلام مواعظ وآداب اشتهر بها بين قومه وأهل ملته. Il avait des conseils, il avait des paroles d'exhortation, était très connu. فقد دعا سيدنا إدريس عليه السلام إلى عبادة الله وحده وإخلاص العبادة له وهم كانوا على على هذا. Mais il a toujours rappelé que on adore que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, sans rien lui associer, et on obéit à celui qui nous a créé. وأن الالتزام بالشريعة هو الذي يخلص الناس من العذاب يوم القيامة. Le fait de mettre en pratique les lois révélées, c'est ça qui sauve les gens le jour du jugement. وحض على الزهد في هذه الدنيا الفانية. Il a appelé les gens à être ascètes dans ce bas monde. والعمل بالعدل ونهى عن الظلم. Il a appelé les gens à être juste et équitable et il a interdit l'injustice. أمرهم بالصلاة. الصلاة كانت مفروضة في كل الشرائع. La prière était obligatoire dans toutes les lois, depuis Adam jusqu'au Muhammad. Alors il a appelé sa communauté encore à prier et à jeûner. لأنه أيضا الصيام كان مفروضا في الشرائع كلها. Le jeûne était obligatoire dans toutes les lois précédentes avant Sayyidina Muhammad. Abzaman Isa ou Moussa kan fi siyam. Salla ba'den fi nas ghayyaru. Il y a des gens qui ont changé. Qal lak bas ma mnakul lahm. Ma mnakul shi jay min al hayawan. Hadolik bqol lak ma mnakul luhum. La sa'a 12 bas. Mush yani ba'd al-dhuhr balish darb lahm. Yani il y a certains qui disent on mange pas la viande jusqu'à midi, après midi il attaque. Et ils disent d'autres, on ne mange pas tout ce qui vient des animaux jusqu'à midi. Lakin siyam Sayyidina Isa huwa la ila al-ghurub, c'était un jeûne jusqu'au soir, c'est pas la moitié de la journée. Hunna qass tawwalu bil-mudda wa qassaru bin-nahar. Ils ont dit voilà, au lieu de faire un mois jusqu'au Maghrib, on fait 40 ou 50 jours, mais jusqu'à shou ana kull wahed bifassal a'yasu, que chacun il fait à sa manière. Non, il faut faire comme Allah a ordonné. قيل لي قيل لي انه واحد بجنيف مصري شو عمل انه مثلا المغرب يدخل على السبعة فشو عمل قال طيب انا بصوم للثمانية بس الصبح باكل ساعة بعد الصبح ها il y a quelqu'un qu'est-ce qu'il a fait par exemple il faut arrêter de manger par exemple à 6 heures il faut arrêter à 6 heures. Alors lui, il a dit non, j'arrête à 7 heures et j'ajoute une heure le soir. C'est comme toi lorsque tu vas au travail à Nestlé, il te dit il faut faire 8 heures.
Alors si tu viens à 9h, tu ajoutes une heure. Alors lui, il a dit, je prends une heure le matin et j'ajoute. Mais ça, on ne peut pas faire de notre propre initiative. Est-ce que Sayyidina Muhammad nous a enseigné quelque chose? Non. S'il nous a enseigné, on peut le mettre en pratique. Mais il ne nous a pas enseigné. Ma qal Sayyidina Muhammad siyamukum huwa 15 sa'a bil yawm bi tawqit kadha bi hisab kadha. Innama qal min al-fajr ila al-ghurub. فإذا ما فينا نحن نزيد ساعة من هون ساعة من هون هذا تحريف للدين. وأمرهم بالزكاة معونة للفقراء إدريس أغدنية أساكو منوتي دو بي لزكاة بور لي بوفر. وشدد عليهم في الطهارة من الجنابة il aura bien enseigné de se doucher après les rapports intimes. وحرم عليهم الخمر والمسكر من كل شيء من المشروبات وشدد فيه تجديدا بليغا et leur a interdit toute boisson enivrante, toute boisson alcoolisée. Et il a bien appuyé sur cette question de ne pas boire les boissons alcooliques. وقيل جعل لقوم أعيادا كثيرة في أوقات معروفة. Encore, et parmi ces lois, il avait plusieurs fêtes dans des temps bien déterminés. وقيل كان في زمانه 72 لغة يتكلم الناس بها. On parle au temps de Enoch, il y avait 72 langues. Les gens parlaient sur terre 72 langues. وقد علمه الله تعالى لغاتهم كلها. لغاتهم كلها. Alors Allah تعالى lui a donné la science de toutes ces langues parce que هو مأمور أن يبلغ كل قوم بلغتهم. Le messager doit transmettre à chaque communauté par sa langue. Et comme sa communauté était plusieurs tribus et il parlait plusieurs langues, Allah Ta'ala lui a donné la connaissance de toutes ces langues et il parlait à chaque communauté, chaque tribu, la langue qu'ils connaissent. Qala Ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. On n'a jamais envoyé un messager qu'avec la langue de sa communauté pour leur faire comprendre, pour qu'ils comprennent de lui et leur faire comprendre. وقيل انه علم قومه العلوم. Alors il a enseigné plusieurs sortes de sciences à sa communauté. واول من استخرج الحكمه, c'est-à-dire il parlait des paroles de sagesse. Il disait beaucoup de paroles de sagesse. وعلمه النجوم وافهمه اسرار الفلك وتركيبه. Il y a une science concernant les étoiles et les astres. Allah Ta'ala lui a donné cette science et il a enseigné mushtanjim. C'est pas le fait de prétendre que je connais le ghaib suite aux étoiles, c'est pas ça, laysa hadha, mais c'est comment il se déplace d'un lieu à un autre, et s'il y a telle chose qui se déplace, ça nous montre quelle telle chose dans la connaissance, mais pas le fait de prétendre connaître le ghaib dans le futur, pas du tout. إنما بشيء يساعد على الحساب وعلمه السنين والحساب. Encore comment faire le calcul. وقيل أول من نظر في علم الطب. Encore il était le premier qui a regardé dans la science de la médecine. وأول من أنذر بالطوفان. Le premier qui a parlé de déluge qui va avoir lieu au temps de Nuh. وأول من رسم لقومه قواعد تمدين المدن. Il a fait comment on fait les plans pour les grandes villes. Comment on fait des plans pour construire des villes. وأقام للأمم في زمانه سننا في كل إقليم سنة تليق بأهله. Il a fait certaines habitudes, certaines choses pour chaque communauté, chaque région. Il aura fait certaines habitudes à faire. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. يعني il y a quelque chose qui reste encore au sujet de Idris alayhi salam. Et par la suite, nous, yani, inshallah, après qu'on continue quelque chose qui reste pour Idris, parce que on a dit qu'il avait beaucoup de paroles de sagesse. مثل الصبر مع الإيمان يورث الظفر. La patience avec la foi vous ramène aux victoires. Ça, c'est parmi les paroles de Idris. ما قالوا الظفر والنصر صبر ساعة. C'est une parole qui revient à Idris, alayhi salam. Alors il y a des choses de ce genre-là, on va les aborder dans la leçon précédente, inshallah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin,
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.